fufu avec mon fufu là, je l'ai fait avec les légumes. Je l'ai fait avec céleria. Céleria, je vais mettre à côté un peu plus tard. C'est pas ma banane, ni manioc. Je l'ai fait avec des légumes. J'ai rajouté ici un brosse là-dedans pour que ça m'aide à dormir quoi. Céleria, c'est un légume. Ça va remplacer la banane. Pour que la couleur rouge comme ça, j'ai rajouté du thym. Voilà. Les personnes qui sont. Moi, je comme moi. Les personnes qui sont diabétiques ne peuvent pas vraiment se permettre de manger du foutu banane, foutu mélange tout le temps parce que la banane contient assez de sucre et le mélange contient assez de sucre. Ça contient assez de carbohydrates. Carbohydrates, là, elles sont converties en sucre dans le corps. C'est très dangereux pour les diabétiques de manger la banane et le manioc, c'est très dangereux. Mais ça, je l'ai fait avec pas la banane. Du foutu, comme vous voyez, voilà, c'est du foutu, c'est très bon. Je peux vous inviter, mais comme c'est à faire des recettes là, c'est pas vous inviter à manger. C'est très bon. Vraiment, c'est bon quoi. Les personnes qui sont diabétiques, vous voyez. Les personnes qui sont diabétiques n'ont pas droit à manger la banane, n'ont pas droit à manger du manioc. Tu peux continuer. Non, 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 c'est sûr. Ok, go to your room. On va appeler une femme, on est dans. Donc, si vous invitez, bon, quand on dit aux gens, à nos soeurs qui sont diabétiques, votre mari est diabétique, vous payez des médicaments pour réduire le sucre dans le sang. Et vous continuez à consommer la nourriture qui est riche en sucre. Donc, c'est contradictoire, quoi. Vous devez diminuer la consommation des nourritures qui sont riches en sucre pour que votre pancréas puisse se guérir. Parce que le problème des diabétiques, c'est le pancréas qui est un problème. Alors, c'est le pancréas qui release les insulines pour vous perdre le corps, le sucre out of the blood. Et non, le pancréas release les insulines et les insulines vont dans le sang récupérer le sucre et le pancréas donne le sucre au solide du corps. D'accord? Et quand vous continuez à manger la banane fruitée comme cela, la banane fruitée contient beaucoup de sucre, d'accord? Et le marouissou, ça contient beaucoup de sucre, folio, ça contient beaucoup de sucre, nombra, ça contient beaucoup de sucre. Donc vraiment, ça c'est une opportunité pour ma soeur qui est diabétique, pour les gens qui ont, je sais pas, diabétique, tension, hypertension, voilà. Pourquoi toutes les maladies s'aggravent avec la consommation du sucre. Voilà, d'accord. Donc là, je vous montre que c'est possible de manger. Parce que quand je dis aux soeurs, arrêtez de manger. Quand tu manges, non, moi je mange pas le riz, j'aime pas trop le riz. Tu manges quoi? Tu manges pas le riz, tu manges quoi? Quand je viens de dire, ah, j'ai le diabète, qu'est-ce que je dois manger? Parce que moi, j'ai étudié le corps humain, pas beaucoup, mais j'ai étudié un peu en nutrition, en biologie, le corps humain et tout. Je lui ai dit, si tu as le diabète, tu dois éviter de manger beaucoup de choses qui sont riches en carbohydrates, ni le sucre et bois. Parce que le carbohydrate, c'est sucre. Il va vivre le même chose en carbohydrate. Fais le bébé, support balade. Mais il va demander, il va te mettre quoi. Maro, support balade. Mais quand tu manges, il va te mettre support balade. Quoi d'autre? Le cours, support balade, tout ça. La cali, support balade. Le pain, support balade. Fournier, support balade. Marouille, support balade. Manioc, marouba, nyumba. En fait, ce qu'on mange, c'est ce que les Africains nous mangent là. C'est plein de sucre. D'accord? Donc si tu as cancer, tu as sida, tu as épilepsie, tu as high blood pressure, low blood pressure, tension, c'est une dîme, tu as non dîme, bro dîme, tu as maladie, tu as maladie que nous avons là, tu as maladie qu'on a là, il suffit d'aggraver ça. Nous recevons les salades dans le sens là du cancer. Le cancer, les cellules du cancer se nourrissent du sucre. Demandez le médecin, vous dit, les cellules du cancer se nourrissent du sucre. Donc, on nous vend une des secondes. Normalement, on va venir bientôt là. Elle va m'appeler Nyomba, Nyomba, Tamaro, Li, Nyomi. Nous, des secondes, on nous met. Donc, trouvez un moyen de manger moins de sucre. Ceux qui sont riches en carbohydrates. C'est du sucre. C'est du sucre. Ça, il y a fait ça photo. Moi, ce qu'on a là. C'est juste avec les cellules. Après, on va faire un tabac. Non, elle est là. Après, je vais mettre la photo. Sur mon story, qu'est-ce que je sais que sur mon story, quand j'ai la photo, j'ai mis ça là-bas. Je sais pas, je fais des trucs comme ça, là-bas, je mets quoi. Je ne vais pas publier forcément, mais je mets sur mon story time. Voilà, puis je mets dans la story time là, pour les gens qui se voient.
Donc là, je vous parle de ça maintenant parce que j'ai un groupe de WhatsApp. Je voudrais me fermer le groupe, mais ça veut que je continue. J'ai un groupe de WhatsApp où j'apprends les sœurs, pas les hommes. Voilà, j'ai vu que j'ai fait tout avec les hommes, mais je pose plus avec les sœurs. Donc, j'ai un groupe de femmes, de dames, où je leur montre comment vous cuisinez comme ça, les légumes comme ça, et transformer n'importe quel légume en fritou. N'importe quel légume en fritou, n'importe quel légume en patalou, n'importe quel légume, même la farine de coco. Transformer en foutu. La farine de coco se transforme en foutu, en foufou, en placali. La farine de coco. C'est très simple de faire. Voilà, si tu n'aimes pas l'odeur de la farine de coco, tu peux la prendre, tu la restes plusieurs fois pour retirer l'odeur de. Moi, j'aime pas manger froid. Pas vu, mais ce moment, quoi, pas manger. J'aime pas manger froid. Donc, vous voyez. On a fait le balak à saman, ça ne tire pas. Le légume ne tire pas, ça ne tire pas comme le gombo. Donc on a fait le balak à saman. Maintenant, on s'appelle. Silum Hoss. On s'appelle Silum Hoss. Vous savez, elle est sur l'Afrique, elle est pas belle quoi. Elle a le balak à saman. Parce que le légume ne tire pas. Et puis c'est le légume, c'est à Bézilé. Mais nous, t'as là. Nous, t'as là. Est-ce que je disais, mais je disais, parce que je vous ai dit, tout le monde fait ce que je disais. Anyway, si vous avez plus de questions à poser, contactez-moi. Vous allez donner un groupe pour ça, pour qu'on ne soit pas gratuit. Hein. Pas gratuit, vous pensez à payer. Vous allez apprendre à vous payer, puis maintenant, je vais apprendre à cuisiner des plats comme ça pour vos maris. Pour le mois de Ramadan, là, si votre mari a diabète, votre mari a tension, ben, il y a pour la séquence, il y a pour manger là. Je peux l'appeler mon dîner, ton lacet, avec manger trop de sucre. Donc, dans mes maisons, si vous voulez toujours savoir aussi, je n'ai pas de groupe d'hommes. Je préfère ne pas avoir de groupe d'hommes. Maintenant, votre soeur, votre amie, de rentrer pour vous, elle va apprendre pour vous. D'accord? Mais elle est blague, quoi. Je peux manger, mais ce moment-là. Donc, tu peux faire des frites, tu peux faire de la loco avec ça. Tu peux faire pizza. Tu peux faire ce que tu imagines là, tu peux faire avec. Mais vous voyez, pour connaître la recette, pour connaître la recette, pour connaître comment cuisiner ce plat-là. Voilà, donc dans le groupe aussi, je montre un peu comment le corps humain fonctionne, quelle maladie, quelle période de maladie, quand on a besoin de le pays, quand on a besoin de le cœur. Voilà. Alors, une fois encore, le groupe n'est pas gratuit. D'accord? Parce qu'il y a tout un besoin, C'est pas cher, mais c'est pas gratuit. Je dis que vous voulez que vous parlez de moi et 250 personnes, puis les gens sont là-bas, ils font rien. Je crois que balancer les audios et les vues, mon groupe, je n'ai pas apprécié. Donc, mon nom, une fois encore, c'est mon nom, Madame Javi. En fait, pour vous dire que j'ai changé un peu le programme sur j'ai changé le programme sur ma page. J'ai actuellement on a trois programmes disponibles. J'ai trois programmes disponibles. Le lundi, j'invite notre Bintia Samassi. C'est un sage que j'admire beaucoup. Je viens de donner le conseil. Je viens de donner le conseil sur. Parce que tous les jours, voilà, comment soutenir les foyers, comment éduquer les enfants, voilà, des africains, travaux, enfin, des fois, il y a notre africains, travaux, quoi, tous les africains, ils expliquent un peu comment ça fonctionne, comment faut soutenir, comment faut, voilà, ils expliquent un peu comment apprendre à être sage. C'est un sage, un mec très sage, il a des paroles vraiment sages, il aide beaucoup pour moi, il est tout à l'heure, j'arrive beaucoup de lui, je veux vous faire partager sa connaissance, je veux vous donner l'opportunité d'apprendre avec lui. Donc chaque lundi, on a rendez-vous avec lui. Maintenant le mercredi, c'est avec Issa Scobé, pour nous parler du mariage, tout le monde a pensé avec le mariage, pour nous parler de comment pour qu'on se marie, avec qui on va se marier. Voilà, et comment les droits de chaque époux dans le mariage. Donc, pas la peine de m'envoyer les messages me demander, il va parler de ça. Donc, si vous suivez ce qu'il va faire, vous allez comprendre. Donc, demain, ça sera la quatrième semaine, je pense qu'on a fait. Donc, suivez écoutez, prenez le temps vraiment d'écouter ce qui se passe. Là, vous savez, voilà, si on apprend comme ça, si on apprend les choses, on n'apprend pas les choses, on pose toutes les questions, je vois que ça s'est écouté. Voilà. Et maintenant, le vendredi, j'invite des guérisseurs, des tradis praticiens, les gens qui soignent avec les plantes naturelles africaines. Ou bien j'invite un frère ou qui se connaît bien la rokia, la maladie mystique. Voilà, il y a une différence entre tradis praticien
et les gens qui font la requière. Il y a une très grande différence entre eux. Voilà. Donc j'invite les gens là pour venir nous aider à comprendre le mot mystique. Moi j'adore le mot mystique, quoi. Je sais que c'est facile. J'aime bien. C'est que l'ordinaire me fascine. Voilà. Comprendre le cerveau, les cellules humaines, comprendre que les gens font des choses. En tout cas, ce qui est hors de l'ordinaire me fascine. Je veux comprendre, je veux savoir. Alors que ma chaîne est basée sur la culture, la religion et la santé. Voilà. Ils n'ont pas encore compris. Comme cela. Ça me fascine de savoir, de savoir pourquoi elles sont méchantes, pourquoi elles sont comme ça, voilà, pourquoi on est sur la terre là, qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre le paradis, pourquoi. Mais ça me fascine de savoir le pourquoi des choses. Voilà. Donc, pourquoi je sais, parce que là, voilà, je suis tranquille, je pose tout le monde des questions. Donc, c'est ça. Je vais rajouter d'autres programmes là-dessus, mais peu à peu. Donc, je ne vais pas être trop surchargé. Après, je vais plus le temps de faire ce que j'aime. Voilà. Et donc, si je fais, moi, je prends la tête, je vais arrêter, voilà. C'est pas une obligation, moi, de continuer. Donc, je vais vous montrer mon foutu. Voilà. Salam, salam. Je vais mettre mon numéro comme le titre de la vidéo. Ok, vous pouvez me contacter. Voilà, à tout le monde. Salam, salam.